est le jeudi 2 mai, il est 10h37, il fait 35 degrés, il fait très beau, vous pouvez le voir ici. Non, là, j'ai toujours pas réussi à comprendre comment ça marche, le miroir inversé. On descend dans le sud de l'île, on va à la plage au Baobab, qui est un classique des expatriés des Alpes-Maritimes. De l'île de Koh Samui, on en a à peu près pour 40 minutes, je pense, de route. Et donc, bah, comme d'habitude, les bonnes choses continuent. Je vous emmène donc avec nous. Et voilà, on est arrivé. Alors, je vous ai pas montré la route et je me suis déjà baignée parce qu'il faisait super chaud. On est donc dans le sud de l'île, on est chez Baobab. C'est très sympa, je vais vous montrer. Donc en gros, c'est un endroit c'est une plage qui partage donc deux restos. Les deux sont français ou d'origine entre guillemets français. À gauche, vous avez donc Nostress et à droite, on a Baobab. La carte est ouf. Il y a vraiment des super bons trucs. Ah, le sable est trop chaud. Il y a vachement de trucs sympas. Donc comme d'habitude, vous pouvez faire pause et zoomer. Ça, c'est la carte entière. Habituellement, on va chez Nostress, on a changé aujourd'hui. Et on est chez Baobab, et ça, c'est la carte de Nostress. Le patron était corse, et je crois qu'il a revendu, donc il y a toujours des influences corse et méditerranéennes. Il y a aussi de la Thai food, et c'est vraiment hyper cool. Voilà, ça, c'est le resto. Je vais vous montrer la carte en entier. Ah, ils l'ont retirée. Bon, c'est pas grave. Ah, bah si, elle est là. Alors. Et ils l'ont même en français, je crois. Non, c'est moi qui délire. Donc celle-là, elle n'est pas en français, mais tout le monde comprend. Et celle-là, par contre... Ah, voilà. Celle-là, elle est en français. Et donc la vue est oufissime. Et les transats sont offerts quand vous consommez un déjeuner. Comme d'habitude en Thaïlande, et ça, c'est cool. Alors, il y a une... Perfect. Il y a une super sélection de vins rosés, puisque le propriétaire d'ici est de Bandol. Donc forcément, il y a du super rosé. Et donc, on a quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a du curry vert spicy. Supposément spicy, donc on va voir si Claire survit au green curry. Moi, j'ai donc du tartare de thon avec des pommes de terre et une salade. Et je crois que mon père a pris un steak de thon qui va arriver bientôt, donc je vais vous montrer. Chisou timbare. Parfait. Et donc voilà le steak de thon qui a l'air super. Parfait. Avec des mashed potatoes, du lime, de la purée, du citron vert et des pommes de terre. Bah, écoute, franchement, nickel. Et donc, voilà la plage. J'ai fait faire un massage, je vais monter là-bas, vous montrer les prix. C'est peut-être un des meilleurs massages des massages de plage que j'ai fait. Ah bah d'ailleurs ça s'appelle The Best Massage, comme quoi. C'était vraiment cool, je recommande. Ils ont un super menu spécial avec des tiger prawns, donc des crevettes du tigre. Je sais pas ce que c'est des tiger prawns, je demanderai.
Franchement, tout était vraiment très bon. C'était vraiment super beau. Et voilà, on connaît la référence. Eh bien, c'est une des premières... Non, c'est la première fois qu'on vient ici. On n'est jamais venu. C'est dingue. Les fleurs sont brûlées. Les fleurs, les feuilles sont brûlées par le soleil. On dirait que c'est l'automne, mais non. C'est pas du tout l'automne. Alors effectivement, on est déjà venu une fois, mais c'était fully booked, du coup on n'a pas pu y aller. Je pense que c'était le resto, forcément, qui était plein. C'était le 28 décembre, puisque c'était le jour de l'anniversaire de Pénélope, donc je m'en souviens. Donc cette fois-ci, on va pas au resto, mais au café. Et là, on va voir comment c'est. Alors, donc on va au Riff Café. Alors attention, il y a beaucoup de marches. Du coup, mon père attend la voiturette de golf pour pouvoir descendre au café, puisqu'en fait, forcément, il y a beaucoup de marches et de marches à pied, je veux dire. Enfin, il y a beaucoup d'escaliers et de marches à pied, je vais y arriver. Le resort est hyper joli. Ici, c'est quand même assez... dément, je trouve. Bon, c'est la marée basse, du coup on voit un peu les coraux, mais moi ce que je trouve dingue, c'est qu'ils avaient dit, sur internet j'entends, ils disaient qu'il y avait une barrière de corail qui était pas loin. Alors, on a mené l'enquête et il s'avère qu'en fait, à marée haute, de toute façon l'eau ne passe jamais au-dessus des rochers. C'est pas du tout une barrière de corail, ce sont des rochers. Et visiblement, ce que disent les gens, c'est qu'en fait, forcément, genre juste derrière les rochers, il y a un peu de snorkeling. Voilà l'histoire. Donc, j'essaierai de regarder s'il y a des trucs sur YouTube, on sait jamais. Peut-être que quelqu'un l'a fait à regarder. Là, on est parti pour le trek, la randonnée pour remonter à la voiture, qui est absolument mortelle. C'est vraiment joli. Bah, ça ressemble à la plage de la Maille, d'ailleurs, avec les... Comment dire ? Les rochers ? Moi, j'appelle ça la plage des Seychelles parce que c'est vrai que généralement, c'est toujours l'idée qu'on a, des rochers qui tombent dans l'eau, genre aux Seychelles. Et là-bas, visiblement, j'ai vu tout à l'heure, ils ont genre un truc de massage, voilà, qui fait pas partie du resort, du coup. C'est là, on va avoir un truc qui est cool, c'est un Thai hot pot qui est l'équivalent d'une fondue. Ça a l'air hyper sympa. Je pense que c'est du seafood. Ça a l'air vraiment cool. Effectivement, ici, ils ont plein de trucs aussi. Ils ont 6 bières différentes. Ils ont le Thai Authentic Night. Ah, ils ont du Coconut Coffee. C'est dommage, j'ai pas vu. Ils ont du Spritz. Ils ont vraiment des trucs sympas, Santa. Comme d'habitude, faites pause hein, pour zoomer. Temps de reprendre mon souffle. Ouh, truc de dingue. Il doit y avoir genre 130 marches d'escalier. Il fait genre 40 degrés. Avec 85% d'humidité. Voilà. Erika. 42 degrés et genre combien 141 marches. Oui.
Franchement, c'est pourtant, je veux dire, on est en bonne santé, on est mince et tout, mais c'était démentiel ce truc. Vraiment. Moi je suis mince en tout cas. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la journée où on va au bout du monde. Ça peut se voir que j'adore cet endroit, que je trouve que c'est délire. On est le 5 mai. Il est 9h01. Il fait 34 degrés, il fait pas froid. Mais bonne nouvelle, il fait beau. J'avais un peu peur parce que hier, il y a eu la pluie, etc. Donc, nous voilà partis. On a 50 minutes de route à peu près jusqu'au départ. C'est à Tongkut, le ponton dans le Longtail. Et donc, voilà, on est à Tongkut. Ah, le café habituel. Il n'y a pas de nos amis français. Non, je plaisante hein, quand je dis ça. C'est toujours qu'il y a des Français qui ont l'air renfrognés. Je sais pas pourquoi quand on arrive ici. On voit pas bien avec les branches, mais j'ai enlevé mes chaussures, donc je peux pas descendre. Ça, c'est Koh Tan qu'on voit en face. Il y a un super banc de sable, genre ici. Voilà. Alors, on a un smoothie à la fraise qui ressemble à une glace. Et moi, this is for me, thank you, kapunka. Et moi, j'ai un latte au lait d'avoine. Très beau, très joli. Bon, et là, du coup, on a un chocolat glacé. Et en fait, il n'est pas pré-mélangé. Je comprends pas comment ils font, mais ça a l'air bien. Voilà, l'escapade au paradis. Tadam. On est parti. Off we go. I'm so beautiful without you. Now my skin glows and it shines like glue. I'm pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. I get my beauty sleep without you. No more nicotine turning my hands blue. I'm pretty without you. Pretty without you. Pretty without you. Feeling lonely was hard, but it was all the better. Taking care of myself, haven't done that in forever. No mascara under my eyes since you left with your life. No makeup on my sleeve, now I can't keep it together. On a une super création d'Eric, hein, comme d'habitude. Donc c'est un truc qui est sucré. Et si on veut le pimper, le pumper, le, je sais pas trop comment on dit, genre le rendre plus épicé, on appuie sur la seringue et voilà. Donc parfait. Chaleur, vraiment, 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 vraiment très chaud. Et pourtant, on est habitué, on a vécu aux Maldives et tout machin, mais là, franchement, c'est limite
insupportable, vraiment intenable. Je vais aller sauter dans l'eau. Oh baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Tester, je suis trop contente, je suis trop fière, j'en tire une grande fierté. Alors donc la première bouteille, c'est Nicolas qui l'a eu. C'est de la truffe et du riz noir, et ça m'a l'air démentiellement bon. Voilà. Et baignoire, ça y est, je les ai enfin testé, c'est dingue, trop cool. Donc après le noir, on a la couleur verte. Le sushi noir était absolument démentiel, et donc je pense que ça va être démentiel aussi. Donc là, cette couleur, c'est le blanc, le poisson burrata avec le super pain. Et on a un super filet de bœuf. Normalement, ça vient avec un truc de poivron et de pommes de terre, mais moi je suis allergique au poivron, j'ai des frites maison, trop bien. Et voilà le dessert sur le thème de la couleur violette ou mauve. Il y a un super cocktail. Couleur lila. Le temps passe toujours trop vite au bout du monde. On a vraiment passé une très très bonne journée. Il a fait très beau et là ça s'est couvert, mais tant mieux parce qu'il fait tellement chaud que limite sans soleil finalement on n'est pas si mal. Voilà, bye bye Koh Tan.